Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va vous faire fort plaisir parce que ça fait longtemps que je vous en parle. Donc, il s'agit de mes cadeaux d'anniversaire. Donc, je ne pense pas faire de vidéo pour mes cadeaux de Noël parce que je vais vous montrer vraiment les cadeaux que j'ai eu qui ressemblent plus à des My Little Pony. J'ai acquis pas mal de nouveaux My Little Pony d'ailleurs, donc. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous faire la représentation de ma collection parce qu'il y a des petits changements. Donc, comme vous pouvez voir, je ne suis pas sur mon bureau habituel parce que voilà, je déménage de chambre. Voilà, j'ai une nouvelle chambre. Donc, déjà ici, on est déjà dans ma nouvelle chambre, mais qui n'est pas encore terminée. Donc, je ne peux pas encore vous faire la collection. Bref, donc il y a quelque chose que je vais juste vous montrer de Noël et le reste a été vraiment que pour mon anniversaire. Donc let's go. Donc le premier truc est Bouton Belle que des marques Magic avec trois ponillons. Donc voici Bouton Belle qui est un poney juste waouh. Il n'y a pas d'autre mot, elle est waouh. Je vous la conseille fortement. Je suis hyper contente de l'avoir parce que je l'ai eu avant tout le monde en France. Donc voilà, même en Europe. En tout cas, je l'ai eu quand je suis partie à Londres, mais je l'ai ouverte que à Noël. Ensuite, on a les trois ponillons. Donc on a la première. Voilà. Ensuite, ma préférée. Qui est juste genre trop mignonne. Et une espèce de micro Pinkie Pie. Je pourrais dire que Pinky s'est transformé en pognon. Donc voilà, ça je l'ai reçu pour Noël, mais bien sûr j'ai reçu d'autres choses, mais qui n'avaient rien à voir avec My Little Pony. Ensuite, on va passer à mes cadeaux d'anniversaire, donc de la part de ma petite sœur. Donc ensuite, j'ai reçu les deux la Loupsie qui me manquaient pour finir ma collection. Donc voici. Je vais garder carton, donc j'ai déjà ces deux-là. Et ma petite sœur bah, m'a acheté. C'est de là. Donc voilà. Bah, les autres sont juste derrière, là. Voilà, ma collection de 5. L'autre n'est pas là. Donc je ne fais pas vraiment une collection. J'ai juste pris les 4 parce que j'aimais beaucoup en fait. Bah, cette petite collection, entre guillemets. Donc voici Saphir et Kat. Donc leur vrai nom, donc celle-ci est Mittens Fluff and Stuff. Et ici c'est Jewel Sparkle. Donc voilà. Je les ai eues, donc je suis trop heureuse parce que c'est vraiment celle qui me manquait. Les deux autres, je les ai eues vraiment en réduction. Et celle-là, il me les manquait. Et je suis vraiment super contente de les avoir parce que voilà, j'ai toute la collection. Ensuite, j'ai eu encore de sa part, donc c'est le dernier truc, c'est Rarity Pop. Donc je suis aussi hyper heureuse de l'avoir. C'est juste waouh! Je suis trop contente. Et pour terminer, un très gros cadeau, ma Philippe! Donc voilà, je l'ai enfin pour mon Isul. Il arrivera, j'attends juste encore d'un peu économiser. Déjà là, je vais devoir. Je vais lui acheter un Nobitsu. Donc voilà. Je vais retirer son chapeau. Regardez-moi, ses cheveux. C'est juste. Waouh! La plus belle ville du monde. Donc voici ma Philippe. Donc elle s'appelle Konoe Beniko. Je n'accepterai nos plagiat sur prénom et nom. Voilà. Regardez-moi cette beauté infinie. Donc voici ses paupières, elles sont mauves. Donc voilà. On le retrouve maintenant. Voilà. Donc voilà ma petite Konoe. Elle est trop belle. Donc il y a beaucoup d'accessoires qui. C'est bon, ça tient. Qui vont avec. Si vous voulez une petite review de la Pulli Blue Teratude, je serai hyper contente de vous en faire une. Donc, sa marraine est Petite Crevette. Oui, c'est la marraine de Konoe. Elle a déjà une cousine qui est Céleste de Une Petite Pulipienne. Donc je vous fais de gros bisous, les filles. En passant. Donc je l'ai commandé sur Pulip Style, elle est arrivée une semaine après, donc c'est vraiment une semaine pile. C'est quelque chose de dingue, à quel point c'est rapide.
Donc, je pense que mon Isu arrivera vers Pâques. En tout cas, je commanderai vers Pâques. Donc, il y a encore un peu de temps. En attendant celle-là, je vais lui commander un Nobitsu, c'est-à-dire un corps plus articulé. Et voilà. Mais elle est belle. Et je l'aime beaucoup. Et waouh. Mais c'est énorme, hein. Ça, on dirait pas. Mais regardez ma main, c'est gros. C'est plus gros en vrai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez enfin ma petite poupette ici, hein. Mon petit bébé, ma petite choupie. Voilà, mon bébé. Donc je fais une grosse dédicace aussi à Rarity Pie qui va bientôt avoir sa pulipe. Bientôt, vas-y, continue. Tu y es presque. Donc voilà, à sa marraine et à sa cousine et à la propriétaire de sa cousine. Je remercie encore une fois ma petite sœur et mes parents de m'avoir payé tous mes cadeaux. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Gros bisous!